I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Wrestle Rock Podcast. J'espère que ça va bien à la maison. Je suis Nostradaben et je suis en compagnie de mon co-animateur, Jonathan, a.k.a. Ocho Josh Ryan. Comment vas-tu, Jou? Hey, ça va bien, mon Ben, en forme. Ça va très bien, là. Yes! Hey, Ben, aujourd'hui, on a une émission spéciale. Et puis, on a un invité qui est vraiment... assez particulier, disons. Oui, oui, oui. Il y a un talent particulier, puis il y a... On peut-tu s'entendre pour dire qu'il fait partie des meubles là, du Capitole de Québec oui, aussi? Oui, on peut dire ça. Oui. C'est une personne vraiment cool. Et puis, on va aller tout de suite le rencontrer. Il s'agit de Martin Levesque. Comment vas-tu, Martin? Ben, ça va très bien, vous autres. Hey, ça va super très bien. Hey, ça roule, Martin, pour toi, là. Pour commencer, là, je veux vraiment, là, qu'on prenne un peu de temps, parce que moi, je me souviens, là, il y a plusieurs années, je t'ai rencontré à Montréal, au Montreal Drum Fest. Oui. Puis, moi, je te connaissais pas beaucoup, puis là, tu sais, j'ai su par la bande avec Emmanuel Caplet que tu faisais des spectacles au Capitole de Québec. J'ai été te voir à plusieurs reprises, puis pour te mettre en contexte, là, Benoît, ouais. Dans le fond, Martin, c'est selon moi, le meilleur imitateur, genre, au Canada, peut-être aux États-Unis, de Phil Collins, honnêtement, c'est incroyable, les détails, tous les petits trucs, tu sais, tous les, un peu comme les petits à côté qui ont fait en sorte vraiment là, que tu as vraiment l'impression, quand tu fermes tes yeux, là, même physiquement, je trouve que Martin ressemble c'est son à Phil Collins. Il ressemble pas mal, ouais. Ben, c'est vraiment cool, honnêtement, qu'on ait pu avoir quelques minutes avec toi. Puis que tu puisses nous parler un petit peu, tu sais, de ton processus, puis de ta passion pour la batterie, du chant, puis tout ça, tu sais. Puis, yep. Ben, vas-y, mon Ben, t'avais quelques questions, je pense, tout de suite. Ouais, la première question, dans le fond, on aimerait ça savoir, Martin, vous entendre sur votre enfance, comment vous êtes devenu batteur, votre passion pour la musique, comment elle s'est développée, dans le fond? Assez tôt, en fait, j'ai eu mon premier drum à l'âge de 8 ans. 7 ans, en fait, à ma fête de mes 7 ans, ouais. OK. Puis, mais c'était un drum jouet, c'était un drum qui venait de chez Sears, c'est genre des petites batteries pour enfants. Ouais, puis ouais. J'ai commencé à jouer là-dessus, puis c'était pas très sérieux, là, c'était comme une patente d'enfant. Mais à 13 ans, j'ai eu mon vrai drum, mon vrai premier drum kit. Puis avec là, c'était dans le sous-sol, puis je pratiquais à tous les jours, puis je pratique depuis. Je pratiquais juste avant de faire l'entrevue, d'ailleurs. Je suis dans mon studio, okay. Puis j'ai mon kit de drum ici à côté. Cool. Puis c'est vraiment mon instrument. À cette heure, Phil Collins est arrivé autour de l'adolescence, je dirais. J'écoutais de la même musique que tout le monde de ma génération. Là. Je ne suis pas différent de tout le monde. Là. Tu sais, j'écoutais Michael Jackson, puis Madonna, puis Tears for Fears, puis Duran Duran, puis Genesis, puis Phil Collins. Puis ce répertoire-là, je suis comme tombé en amour avec. C'est vraiment solide. À part, tu sais, adolescent, quand on aime de quoi, on aime solide. Ouais, ouais. Tu sais. Fait que, à 14, 15, 16 ans, là, j'étais comme... obsédé par Phil Collins et Genesis. J'avais tous les albums, je checkais tous les petits bouts de vidéos, j'allais le voir en spectacle, tu sais. Puis je pratiquais mon drum pour jouer comme lui, puis toute la patente. Ça, c'était ma phase obsessionnelle, si on veut. Ça a duré peut-être jusqu'à 18-19 ans. Après ça, ben moi, j'ai voulu être auteur-compositeur-interprète, faire mes tunes, être musicien pigiste aussi, jouer du drum avec plein d'autres mondes. Puis c'est ce que j'ai fait en partie. J'ai été finaliste au Festival de la chanson de Granby comme auteur-compositeur-interprète. J'ai sorti un premier album. Mais ça n'a pas très bien marché, mais étant donné ma passion pour Phil Collins, j'avais déjà fait une couple de prestations, puis les gens me disaient « Hey man, tu l'as tellement bien, tu devrais faire un groupe hommage à Phil Collins. » Fait qu'à un moment donné, j'ai fait « Bon, ben OK, je bouderai pas mon plaisir et le plaisir du monde. » Fait que je vais me partir un hommage à Genesis, puis à Phil Collins, puis c'est depuis ce temps-là que je fais ça à temps plein.
Puis vous avez vendu avec votre projet Dancing into the Light, plus de 300 000 billets. Ben oui. J'imagine les gens s'ennuient à Phil Collins, je pense. Hey, comment? C'est fou, là. Tu dois être fier tellement, là, de... après ben, tout ça, tu sais. Puis comment est venu en tête vraiment de se dire, bon, OK, là, je me trouve des musiciens professionnels, puis go, là. Tu sais, on se lance dans le vide sans savoir ça va-tu lever ou, tu sais, comment on se prépare pour ça, tu sais. Ben moi, j'ai... Tu sais, quand t'es musicien au Québec, tu t'habitues à avoir un sideline, à avoir autre chose, puis parce que c'est pas tout le monde qui est capable de gagner pleinement la vie, tu sais. Fait que moi, j'ai eu ça toute ma vie. Je veux dire, moi je suis aussi carrossier dans la vie. J'ai étudié en carrosserie automobile. J'ai enseigné la carrosserie automobile pendant 20 ans au DEP. OK. Fait que je suis un passionné de char, je suis un passionné de... D'ailleurs, quand la pandémie est arrivée, ils ont fermé les salles de spectacle. Moi, j'ai rentré un petit pick-up dans le garage, puis j'ai strippé ça au complet, puis j'ai restauré ça de boat par boat, de A jusqu'à Z. OK. Fait que ça a toujours été comme une police d'assurance. Mais à un moment donné, je travaillais comme musicien. Mettons, j'étais engagé comme musicien dans d'autres groupes, même pour personnifier Phil Collins, dans d'autres groupes hommages à Genesis. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, on s'est lancé finalement, moi puis ma blonde, ensemble. Puis c'est vraiment le team de moi puis ma blonde qui fait qu'elle, elle s'est dit, « Crime, tant qu'à avoir un job, puis que toi, t'as un job, puis tu fais de la musique. » Puis tu sais, on met tout ça ensemble, puis on pousse sur le bateau. Puis c'est là que ça a marché, finalement. Parce que, tu sais, tant que t'as une béquille, tu t'en sers. Mais quand tu flushes la béquille, ben tu prends tes responsabilités puis tu mets toute ton énergie là-dedans. Fait que moi puis ma femme, on a décidé de se lancer, là, je te dirais, en 2007-2008 pour le faire à temps plein. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on roule à côté puis qu'on fait juste ça. On fait rien que ça de la musique. C'est malade. Ouais, Martin, c'est cool. est-ce que tu aimes mieux Phil Collins quand il était en solo ou ben dans le temps de Genesis? Moi, j'aime toute la patente. Tu sais, quand j'ai connu Phil Collins, moi, j'avais comme 13-14 ans. C'est avec la reprise des Supremes, You Can't Hurry Love. Là. Mm-hmm. C'est avec cette tune-là que je l'ai connu. Fait que moi, j'ai trippé là-dessus en premier. Okay, après ça, ben, j'ai trippé sur toute sa carrière solo, mais avec Suso Dio, tout l'album No Jacket Required. En même temps, l'album Invisible Touch de Genesis, qui est, sur lequel il y a un million de succès. L'Allusion, puis toute la patente. C'est à ce moment-là, moi, mon coup de foudre qui est arrivé. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à l'envers dans le vieux Genesis. Fait que je commence en 86. Puis là, j'ai reculé dans les albums jusqu'à comprendre que Phil Collins était drummer quand Peter Gabriel chantait. Évidemment trippé d'albums de plus en plus. J'aime l'œuvre au complet. Moi, j'aime du début jusqu'à la fin avec Genesis. Parfait. On parlait dans le fond que vous aviez rencontré Phil Collins à 4 reprises. Donc, comment ça s'est passé, en fait, votre expérience avec M. Collins? Ça s'est vraiment super bien passé. D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Verdun, dans un studio de radio. Moi, dans mes rêves les plus fous, je l'ai rencontré en Angleterre ou en quelque part. Non, il était chez nous, dans ma ville, puis c'était formidable. Puis c'est un gars super simple, super généreux. Il a été super fin. Il me posait des questions sur ce qu'on faisait, nous autres, en tant que groupe hommage, j'imagine. T'sais. Wow. Fait qu'il était comme, il s'intéressait à notre travail. Fait que c'était cool. Puis la fois d'après, il est venu jouer sur mon drum. Imagine, il est passé l'après-midi avec nous autres. Il est venu jouer le rappel du spectacle. Il a mangé avec nous autres. On a pris une bière. C'était vraiment... C'est malade. C'était formidable. C'est mémorable. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'avais écouté l'émission de Tout le monde en parle, puis justement, t'étais présent, puis c'est ça, il avait dit, en fait, tu parlais justement de cette fameuse anecdote-là, là, qu'il avait fait le rappel, mais qu'il ne se souvenait pas de certaines parties, mais qu'il avait relevé le défi parce que ça faisait plus de 20 ans, dans le fond, qu'il n'avait pas... qui n'avait pas joué la tune. Cette tune-là, exactement. Ben oui, c'est ça. Yes. Ouais. Par la suite, dans le fond, on en a parlé tantôt, mais dans le fond, vous avez été finaliste pour le Festival international de la chanson de Granby en 96 et en 98, mm-hmm. si je ne m'abuse. Oui. Exact. Pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience-là? Ah, c'est une super expérience.
je veux dire, quand tu te ramasses finaliste, auteur, compositeur, interprète, ça veut dire que ce que tu as écrit seul chez vous dans ton petit cahier noir, il y a un potentiel, puis il y a un potentiel scénique aussi. Fait que, tu sais, moi, je trouve que les concours pour la jeunesse, c'est formidable. Tu sais. Faut juste que tu arrêtes un moment donné quand tu as 25 ans, 26, 27, 28. Là, tu sais. Mais en bas de cet âge-là, je trouve ça le fun, puis je trouve que c'est très formateur. Moi, j'ai appris beaucoup en côtoyant les musiciens professionnels, tu sais, puis d'autres auteurs, compositeurs, interprètes. C'était vraiment des belles expériences à chaque fois. Puis pour l'anecdote, en 96, quand j'ai fini le show, à la fin du spectacle, Michel Rivard a pris le temps de venir me voir puis me dire « Hey Martin, ta toune, là, c'était cœur, hein? Puis t'as vraiment le sens de la toune, puis t'as une super belle présence sur scène, fait que lâche pas. » Tu sais, c'est comme « Wow! » Tu sais, fait que des affaires de même, là, c'est précieux. Puis tu gardes ça dans ta petite poche d'en arrière pour quand tu mouilles. Ouais, c'est ça, c'est quand ça. Quand tu mouilles, t'as des journées de découragement, là, tu ressors ça, tu fais « Ah, OK, bon. » Il n'y a personne qui a mis un gun sur la tempe pour qu'il vienne me dire ce compliment-là. Ouais, Martin, on aimerait ça savoir pourquoi il y a eu une période de 6 ans entre vos deux premiers albums intitulés « L'amour ou le sexe » en 2000 et celui de 2006 intitulé « Influence ». Pourquoi il y a eu un espace de 6 ans entre les deux albums? Parce que j'étais en tournée avec un band d'hommage à Genesis, tout simplement. C'est ça l'affaire. J'avais pas de temps à consacrer à ma carrière, justement, d'auteur-compositeur rendu là. Okay. Je te cacherai pas que, tu sais, en 2000, c'était mon premier album que je sortais. Fait que j'avais beaucoup d'espoir pour cet album-là. Puis le fait qu'il y a eu comme aucun accueil de rien, tu sais, ça a tombé entre deux cracks. Puis, fait que dans le fond, j'étais déçu. Fait que j'ai comme pas réitéré. Puis même en 2006, je composais des tunes en tournée avec mon petit clavier dans une chambre d'hôtel, même mon petit ordinateur. Je tapais des vieux pianos dans les loges. Toutes sortes d'affaires de même. Je tapais mon drum aussi sur le stage pendant un soundcheck. Mais c'était plus à titre d'expérimentation, l'album Influence en 2006. Ouais, c'est ma blonde qui a dit « Kim, t'as quoi? T'as 12 tunes, là? Fait qu'on fait-tu un album avec ça? » Fait que c'est elle qui a décidé de produire ça en tant qu'album. Cool. Fait que c'est super cool. Puis après ça, ben, j'ai comme gardé ça. J'ai fait 3 albums de reprise de Genesis aussi, avec des versions jazz. Ça, c'est quand on a commencé Dance Into the Light. Je faisais l'hommage à Phil Collins, sa carrière solo. Mais je voulais comme pas perdre non plus le répertoire de Genesis. Puis je l'avais tellement joué comme le disque, pareil. J'avais le goût de me le réapproprier, le répertoire de Genesis à ce moment-là. Fait que je me suis entouré de musiciens de jazz qui connaissaient même pas Genesis. Fait que c'était cool, ça. C'était cool de réarranger ça avec d'autres textures, d'autres sons, d'autres feels. Puis c'était vraiment le fun. Fait qu'on a sorti 3 albums jazz, un en 2011, un en 2013, puis un en 2018. Puis je suis vraiment fier de ces albums-là aussi. C'est super. Puis, en parlant de jazz, en fait, j'avais une petite question. J'imagine que suite, tu sais, aux connaissances avec les gens, les musiciens de jazz que vous venez nous discuter, j'imagine que le projet Visible Jazz a comme vu le jour, dans le fond. Puis, pouvez-vous parler de ce projet-là? Ben, c'est ça, en fait. C'est les reprises de Genesis dont je te parlais, qui sont comme réarrangées à la manière jazz. Autrement dit, mettons la tune That's All, qui est en studio. C'est bien carré, puis toute la kit. Nous autres, on a fait ça en swing. Un peu jazz manouche. Un peu comme, mettons, pour les citer, mettons, comme les Lost Fingers ont fait, fait les tunes Pump the Jam, puis etc. Mais ce qui m'a donné la permission de faire cette affaire-là, ça faisait longtemps que je niaisais avec ça pour le fun, de transformer les tunes en version jazz, mais c'est Thérèse Montcalm qui a repris la tune de Eurythmics, Sweet Dreams. Okay. Puis elle l'a repris en swing. C'est genre « Sweet dreams are made of this, ka-ching, ka-ching, ching, ka-ching. » Fait que ça, j'étais comme « Wow, OK, ça, c'est ça que je veux faire. » Tu sais, parce que la version de « Sweet dreams », c'est full machine, full synthétiseur. Je me disais, on enlève tous les synthétiseurs, on enlève toutes les drum machines, on enlève tous les sons des années 80 qui vieillissent pas tout le temps bien. Puis on ramène ça, contrebasse, piano, drum, puis on réarrange tout ça, puis c'est ça qu'on a fait. Fait que ça, c'est les 3 albums de reprise jazz. Ceux qui ne le savent pas, M. Levac, il va se produire les 17 et 18 novembre prochains au Capitole de Québec, ainsi que les 29 et
29 février, 1er mars 2024 prochain, au bureau de poste, au vieux bureau de poste de Saint-Romuald, ici de pas loin à Lévis. Ben oui. Avec votre nouveau projet, Collins Gabriel, est-ce que vous voulez nous en parler, s'il vous plaît? De ce projet-là, ben oui, ouais, absolument. En fait, ça, c'est une collaboration avec un autre chanteur et musicien qui s'appelle Claude Pinault. Lui, Claude Pinault, là, vous ne le connaissez pas, mais vous connaissez plein d'affaires qu'il a faites. C'est lui qui a composé, c'est lui qui a composé la musique de Mon Ange d'Éric Lapointe. Wow! OK. Ça, personne ne sait ça, mais il a composé plein de tunes pour plein de chanteurs, plein de chanteuses au Québec. Puis lui, il a joué comme musicien accompagnateur aussi avec plein de monde. Il joue avec Linda Lemay en tournée. C'est lui son accompagnateur principal. Puis le gars, il chante pareil comme Gabriel. Pareil comme Peter Gabriel. Autant que moi, je peux sonner comme Phil Collins, lui, il peut sonner pareil comme Peter Gabriel. Et je l'ai découvert pendant la pandémie parce que qu'est-ce qu'on faisait pendant la pandémie? On était chez nous, on s'enregistrait en train de faire des petites vidéos. Puis lui, il a repris une couple de chansons de Peter Gabriel, puis j'ai trouvé ça formidable. Fait qu'on s'est comme associé avec un autre de nos chums qui s'appelle Hugo Saint-Laurent, qui est un super claviériste. Puis on a dit, on fait un hommage à Collins Gabriel avec des versions acoustiques, encore là, à trois musiciens. Puis ça marche au bout, parce que souvent, même dans les tunes de Genesis, tout ça, Collins backait Gabriel ou Gabriel backait Collins. Fait que les deux voix ensemble, là, c'est vraiment cool. Ça fait un super beau mix. Ça doit faire vraiment du Genesis. Ça ressemble à ça, mais tu sais, on focus quand même sur la carrière solo de Gabriel et la carrière solo de Phil Collins. Okay. Autrement dit, les succès. Un beau mélange. Mais on mélange justement les chansons. Fait que genre, tu sais, un Soussou Dio puis un Sledgehammer. Ça va torcher. C'est comme s'il avait été séparé à la naissance, ces chansons-là. On en fait une couple d'affaires de même dans le show, des medleys, puis une couple de versions qu'on s'approprie aussi. Mais c'est vraiment le fun à faire. C'est en petite formation, puis c'est dans des petites salles. Comme tu dis, le bureau de poste à Saint-Romuald, je pense qu'il y a 90 chaises. Puis on le fait aussi à Vanier. On le fait aussi à la chapelle à Vanier, même affaire. On fait deux soirs là aussi, puis on fait une couple de petites salles au Québec avec ça. Au début, on le faisait exclusivement ici dans mon studio, mais finalement, la demande a été là, puis on a dit, on va le sortir sur la route, puis on va avoir du fun avec ça. Donc, puis l'autre spectacle, aller voir Martin Levaque, le site martinlevaque.com, là, il y a toutes les dates. Puis juste un petit mot, mettons, sur le 17-18 novembre au Capitole, ça, c'est notre nouveau spectacle. Je dis nouveau entre guillemets parce que ce spectacle-là était prêt à sortir en février 2020. OK, juste avant la pandémie. La COVID, moi, ça a fait foirer, disons. Ça a repoussé tout ça de plusieurs mois, puis on l'a sorti, mais de façon pas officielle, dans des petites salles pour commencer, c'est-à-dire des grandes salles à moitié vides, là, tu sais, avec la distanciation et tout ça. Anyway, puis finalement, on a fini par casser le show, puis faire plusieurs représentations. Puis là, on le présente. Il s'appelle tout simplement Phil Collins et Genesis. Et ça, c'est 8 musiciens, comme Dance Into the Light, 8 musiciens live, 2 gros drums, une section de cuivre. Puis on reprend les chansons, les plus gros hits de Genesis, puis les plus gros hits de Phil Collins, de version originale, pimpé, parce que, tu sais, on va ajouter des cuivres dans Land of Confusion, ou, tu sais, dans Invisible Touch, ou, tu sais, on grossit et tourne avec tout ce qu'on a. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que ça c'est vraiment le show à ne pas manquer, je te dirais. Le monde capote, là, puis nous autres aussi, on capote à faire ce show-là. Puis encore là, on fait des medleys de vieux Genesis là-dedans, puis tout le kit. Fait que c'est vraiment cool. Ça, c'est au Capitole, 17-18 novembre, là. Ouais. Super. Nous, on sait, dans le fond, que vous êtes un drummer. Dans le fond, nous, on aimerait ça vous entendre, dans le fond, selon vous, là, qui actuellement sont les meilleurs drummers ou vos coups de cœur au Québec? Au Québec? Mon Dieu, hey, tu me poses une colle. Je suis tellement déconnecté de ce qui se fait actuellement. Okay. Honnêtement, je pourrais même pas nommer un drummer qui roule en ce moment. Tu sais. Je connais mes chums qui travaillent à la TV et qui travaillent un peu partout. Tu sais, mettons Maxime Lalanne, qui est un super drummer pour qui j'ai beaucoup de respect d'admiration. Emmanuel Caplette, pour qui j'ai beaucoup de respect d'admiration. Mathieu Groux, en fait. Mon préféré, c'est le gars avec qui je travaille depuis 15 ans. Et Mathieu Groux, c'est lui qui fait les drums sur mon show. Mais lui, il y a un hommage à Rush aussi, qui s'appelle New World Man.
OK? Ouais, et c'est hallucinant parce que lui, il joue le drum de Neil Peart et il chante Geddy Lee en même temps. C'est absolument débile. Ça n'a pas de bon sens. Malade, comment est-ce qu'ils sont bons? Allez voir ça, The Sound of Rush. Ça s'appelle New World Men, M-E-N, parce que c'est plusieurs gars. Ils sont trois, puis ils font exactement les tunes de Rush, pareil, comme sur le disque. Ils sont hallucinants. Mathieu Groulx. Matt Groulx, là, il est vraiment hallucinant, ce gars-là. Wow. Il me fait capoter encore aujourd'hui. Puis c'est un chum, un grand chum. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Fait que moi, dans mes coups de cœur de drummer, là, ça serait pas mal lui qui remporte la palme. Yes. En parlant de drummer, en fait, je vais. C'est juste un petit quiz, dans le fond. Je vous nomme des noms de drummer, puis vous me dites à quoi ça vous fait penser. OK. Donc, parfait. Dom Famularo. Drumfest 1993, Montréal. Super. Dave Grohl. Dave Grohl, Nirvana. Moi, c'est ça. J'ai arrêté. Je ne suis pas tellement un fan des Foo Fighters, mais toutes les tracks de Nirvana sont merveilleuses encore aujourd'hui. Mais ils viennent au festival d'été, les Foo Fighters, il me semble. Oui, je crois que oui. Phil Collins. Ah, un incontournable dans ma vie. Celui qui m'a le plus influencé de tous les drummers au monde. Ouais. Ringo Starr. Oh my God, que j'aime Ringo. Je suis en amour avec Ringo. Je veux dire, je l'ai vu en spectacle à la Place Belle l'année passée, ici à Laval. My God, j'ai capoté. Il a 80 ans, il arrive sur stage en courant. Il joue toute la veillée avec un smile d'en face. Il chante les tunes comme s'ils avaient enregistré hier. C'est formidable. Je trippe sur ce gars-là. Je ne peux pas te dire à quel point. Puis c'est un gars pour qui j'ai énormément de respect, pas juste pour le talent qu'il a, mais aussi... Parce que c'est un gars qui a accepté d'être dirigé dans la vie. Tu sais, il y a bien du monde qui font à leur tête puis ils laissent passer leurs idées en premier. Mais lui, il y avait George Martin, le producteur des Beatles, qui était tout le temps là pour lui dire quoi faire, quoi ne pas faire. OK, je ne joue pas d'hi-hat, mettons, pour les prochaines 16 mesures. Puis après ça, tu joueras juste ton floor tom. Tu sais, des affaires de même. Mais quand tu réécoutes les chansons des Beatles, ça sert tellement les tunes. Et ce gars-là, c'est un des musiciens qui a été le plus au service des tunes, je trouve, de tous les temps. Ringo Starr, il a toute mon admiration, je trouve. Je trippe. Je pratiquais ça avant d'être en ligne avec vous autres. Ah, ouais. Je suis en train de jouer Happiness is a Warm Gun. Nice. Joe Morello. Joe Morello, je ne connais pas tant que ça. Je connais plus de noms que d'autres choses. Bon, je ne pourrais pas Emmanuel commenter. Emmanuel Caplette, c'est la drummeuse la plus sensationnelle au Canada. Puis en plus, la fille est tellement fine, est tellement gentille, elle est tellement généreuse. D'ailleurs, c'est elle qui joue les drums sur mon album de reprise de Genesis, le deuxième, la version live qu'on a tapé au Lion d'Or à Montréal en 2013. Okay. Ça s'appelle A Visible Jazz Touch of Genesis Live. Okay. Et c'est Emmanuel Caplette à qui j'ai confié la job de faire les drums. C'est formidable. Allez checker ça. Il y a des vidéoclips tirés de ce show, de cet album-là aussi. Okay. Entre autres, Follow You, Follow Me, qui est notre version jazz de Follow You, Follow Me de Genesis. Allez sur YouTube, checker ça. C'est Manu qui fait les drums. C'est malade. C'est vraiment extraordinaire. Chad Smith, encore là, je veux dire, c'est un incontournable du rock des années 90. C'est la signature. Non. Beaucoup d'admiration. En terminant, Martin Levac. Il te ressemble, ça, là. Ouais. Martin Levac, là, il continue à apprendre tout le temps. Puis ça, c'est ce que j'aime de Martin Levac. C'est que j'ai jamais fini d'apprendre musicalement de tout le monde, de toutes les musiques, de tous les styles, de toutes les époques de la musique. Je suis tout le temps en train d'être un apprenant. Puis, je suis jamais rendu, on dirait. Tu comprends? Je suis tout le temps en train de pratiquer. Je suis tout le temps en train de fouiller. Oui, bien, puis de relaxer plus en jouant tout le temps, d'être de plus en plus à l'aise avec mon instrument, qui est mon instrument principal, qui est le drum. Mais je te dirais aussi vocalement, tu sais, j'apprends à laisser ma voix être ce qu'elle veut être de plus en plus, parce qu'elle elle a tellement été celle d'un autre pendant longtemps, tu sais, puis elle l'est encore pendant mes shows de Genesis et Phil Collins, veux pas, j'ai l'influence que j'ai, puis ça sonne très similaire à Phil Collins encore aujourd'hui, mais je te dirais que j'ai de plus en plus de facilité à accepter ce qui sort naturellement de
mes tunes, mes nouvelles tunes, j'y trouve vraiment cool pour ça. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés à en savoir un peu plus sur moi, il y a aussi la plateforme Patreon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, Mike Ward est là-dessus. Ouais, tout le monde est là-dessus. Ouais. Bon, ben, j'ai du monde qui me suit sur Patreon, une quarantaine de personnes qui me donnent des sous à tous les mois pour que je compose une chanson par mois. Puis depuis que je fais ça, là, j'ai 57 nouvelles tunes dans un dossier. Tu sais. C'est cool. J'offre un démo d'une tune originale par mois. Puis un cover par mois. Fait que c'est super trippant. C'est vraiment le fun. J'ai un fun fou à continuer à créer de la musique. Tu sais. Fait que c'est vraiment dans le fond, les gens ont simplement à aller sur patreon.com, taper Martin Levac. Ils vont tomber dessus. Exactement. Wow, ça vaut la peine. C'est pour encourager quelqu'un fantastique qui travaille extrêmement fort. Puis c'est quelques dollars par mois. Puis ça l'encourage. Puis, c'est ça. Tu peux donner juste une pièce. Puis tu vas avoir une tune originale par mois. Fait que c'est quand même cool. Vraiment. En terminant, comme à l'habitude, dans le fond, Benoît, son surnom, c'est Nostradaden. Puis, le French Prophet, en fait. il va essayer, en fait, il prédit l'avenir de nos invités. Donc, je te laisse la parole, mon ami. Ben, avant, j'espère que dans ton show, tu vas mettre Home by the Sea. Elle est là. Ah ouais, ben là je t'aime. Elle est dans un medley, par exemple. Il y a tellement de succès de Genesis, on n'a pas le choix, on ne peut pas toutes les faire au complet, mais on en rentre le plus qu'on peut. Parce que quand ils l'ont joué à Wembley en 87, c'était comme de la marbre, oui, c'est ça. Wow. Bon, c'est la grosse tune. Ouais, la prédiction que je te fais, c'est que j'imagine qu'à un moment donné, ils vont sortir soit un documentaire, une série ou bien un film sur Phil Collins. Puis c'est toi qui vas avoir le rôle principal là, pour de ça. Yes. Allons adulte, bien entendu. Je me le souhaite. Ça serait le fun. J'aimerais ça faire ça en plus. Cool. Un défi de plus d'apprendre, mettons, plus de trucs pour jouer acter, tu sais, faire un jeu d'acteur. Fait que oui, ça m'intéresserait énormément. Fait que si on a des producteurs à l'écoute qui veulent faire de Phil Collins Story sur Netflix, ça va me faire plaisir. Mais habituellement, c'est rare. Ben, pour vrai, là, c'est rare qu'il se trompe. On a parlé récemment avec Denis Lemieux qui interprétait dans le film. Ben, Yvon Barrette qui interprétait Denis Lemieux. Yvon Barrette qui interprétait Denis Lemieux dans Slapshot. Puis Ben, il a prédit « Ah, tu vas... comment tu avais pensé? » Ouais, j'ai vous voyé en passant. Non, j'avais dit qu'il allait ressusciter son personnage de gardien de but, puis qu'il allait faire un commanditaire avec ça, puis il parlait que c'était en processus de se faire. J'ai pas lu ça par nulle part, là. Ouais. Wow! Je souhaite que ça se réalise. Ben oui, on te le souhaite. Ben tu sais, ça me fait penser un petit peu à ce qu'ils ont fait avec Bohemian Rhapsody. Je crois que, comment il s'appelle? Le Marc Martel. Oui, Marc Martel, ils ont pris le duo, je pense. Oui, c'est ça. Fait que pourquoi pas pour Martin Levesque dans un... Ben oui, ça se fait. Ben ça pourrait se faire, ça. Ben It's possible, you never know, you know. Super, ben merci beaucoup. C'est ici que se termine notre émission spéciale avec Martin Levesque. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous autres, les gars. Merci beaucoup. Vous êtes super généreux. Vraiment, merci. D'ailleurs, on va écrire un bel article là, pour qu'on puisse tous vous mettre, dans le fond, les liens pour aller au Patreon, sur le site de Martin Levac et puis d'aller pouvoir acheter les billets soit au Capitole de Québec, à Saint-Romual ou bien au Centre d'Or La Chapelle. Donc, ben merci beaucoup, M. Levac, pour votre belle entrevue. C'est super cool. On vous envoie ça dès que c'est prêt. Donc, un gros merci, on va partager ça partout, nous autres aussi. Super. À bientôt. Puis, yes, bel été à vous autres, puis au plaisir. Aussi, profitez-en, là. Bye bye. Bye bye.